Chaque été, j'aime te partager mon rituel matinal du moment et c'est ce que j'ai décidé de faire à nouveau cette année, même si 2020, on sera d'accord, c'est vraiment une année particulière où, en tout cas pour moi, tout est devenu incertain, flou. Vraiment, c'est compliqué, mais je continue d'avancer, je continue de croire en mes rêves, en mon destin, mon activité professionnelle. Avec Maroc en conscience est à l'arrêt depuis le mois de mars, mais je suis maintenant très très actif. Si tu me suis, tu le sais, avec Vivre Introverti. Cette vidéo te permettra de rentrer vraiment dans mon quotidien, au cœur de mon rituel matinal du moment. Depuis le décès de mon chien Ifulki, j'ai depuis quelques semaines recueilli Luma. Une petite chienne pleine de vie. Donc là, mon rituel matinal, il commence chaque matin à 6h après un petit passage de 15-20 minutes à la salle de bain. Il y a Luma qui m'attend pour sortir et partir retrouver ses amis du village. Je me promène avec elle environ 40 minutes, 1 heure chaque matin, chaque soir. Donc là, on a retrouvé les chiens du village, ses amis. Voilà, je les connais tous, je les adore, ils m'adorent. Vraiment, j'aime commencer ma journée de cette façon, donc dans la nature, dans la montagne, avec les chiens. En général, les habitants sont pas encore actifs, donc je croise personne, c'est parfait. Voilà, la balade est finie. Je vais pouvoir m'entraîner. Donc là, c'est la vue en face de chez moi que tu connais déjà. Là. Là que je fais mes vidéos. Il y a Luma qui est encore excité. Elle est au sport. Quand je suis rentré, j'enchaîne en général directement par ma pratique corporelle, donc soit des étirements, soit du yoga, soit un entraînement de sport avec l'application Freeletics que j'adore. Donc c'est vraiment un moment pour moi où je reviens au corps. Là aussi, c'est une durée en général de 40 minutes jusqu'à 1 heure. En ce moment, on a des super fruits de la vallée.
des figues fraîches et des mûres. On les a ramassées hier. Après la marche et le mouvement où je suis resté à jeun, j'ai pas encore mangé, je passe sous la douche, donc je fais une douche chaude puis une douche froide et ensuite je vais boire un grand verre d'eau avec du jus d'herbe d'orge. C'est un super aliment que j'ai découvert il y a pas trop longtemps et je prends ça chaque matin. Et je prends aussi de la levure de bière pour l'instant en complément car la levure de bière, c'est super, c'est pas trop cher et ça contient toutes les vitamines qui sont les plus importantes. Là, tu peux voir la belle Luma, mais au moment où je suis en train de te faire le montage de cette vidéo, je sais que mon rituel va un peu changer dans les prochains jours. J'ai décidé, après réflexion et observation, de rendre Luma, de lui rendre sa liberté, en tout cas de lui laisser le choix de rester à la maison ou alors de vivre avec ses amis chiens ici dans la montagne. Je t'en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo où je t'expliquerai vraiment ma décision. Ça me rend un peu triste, mais je veux pas qu'elle se sente en prison avec moi. Je veux juste son bonheur et je vois qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est de rester libre et d'être avec les autres chiens. Donc voilà, j'ai dû faire un choix. Pour terminer mon rituel matinal, j'aime prendre quelques minutes de lecture. Je suis actuellement en train de te préparer un résumé du livre La force des discrets de Susan Cain. C'est un livre super important qui a aidé à faire connaître l'introversion. Et c'est ma dernière activité de mon rituel avant de commencer à travailler pour vivre introverti. Là, tu peux voir Omar en plein travail. Cette semaine va être une semaine un peu particulière. Je vais beaucoup te parler justement du rituel matinal. Et je t'annonce avec joie que j'ai créé une nouvelle formation. La formation s'appelle 30 jours pour créer ton rituel matinal et le maintenir. Donc, je t'accompagne vraiment dans ce processus de création de ton rituel matinal et surtout te permettre de le garder sur le long terme, enfin en tout cas de devenir régulier. Donc si tu as envie de commencer, c'est le premier lien dans la description et je te retrouve là-bas pour débuter la formation.